Bien dans son travail, aujourd'hui on parle du bien-être au travail, c'est d'abord prendre soin de sa santé, et ça c'est primordial. Pour l'éleveur, son revenu est important, mais il travaille beaucoup, et donc pour prendre soin de sa santé, il faut qu'il fasse attention à ça, et il faut aussi combattre l'isolement. Il travaille souvent seul sur son exploitation, et l'isolement est un facteur de stress. Travailler à plusieurs, ça permet d'être moins isolé et d'affronter plus facilement les coups durs. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour limiter autant que possible le stress et l'épuisement professionnel. Alors c'est important de se libérer du temps pour déjà pouvoir partir en vacances en famille et puis avoir des loisirs à côté, de pouvoir faire des activités autres que sur l'exploitation. Et puis, il ne faut pas attendre 50 ans pour partir en vacances non plus. La réalité économique de l'élevage en ce moment fait qu'on a beaucoup de problèmes pour investir, parce que la rentabilité est vraiment minime. Et sur le matériel et sur la main-d'œuvre, c'est pareil. On a beaucoup de mal à pouvoir se payer du personnel, mais il y a des solutions. Mais pour certains agriculteurs, c'est encore tabou de parler de son travail par peur de se dévoiler, de montrer son problème sur l'exploitation ou de demander de l'aide à son voisin ou parce que par fierté de sa personne. Souvent, les agriculteurs n'ont pas le temps de se remettre en cause et ne cherchent pas à se remettre en cause. Donc se remettre en cause, c'est plein de choses. C'est aller s'informer, c'est se former, c'est savoir diriger un ouvrier, savoir faire confiance à l'ouvrier et puis donner les bons conseils et se remettre en question. Il y a énormément de solutions différentes qui sont tout aussi diverses que les problèmes que l'on peut rencontrer. Il y en a autour de la main-d'œuvre, autour de l'organisation, autour du matériel. Heureusement, beaucoup d'éleveurs se sont déjà emparés de ces solutions. Ce qui est important, c'est de trouver le temps de se poser, de diagnostiquer sa situation et ne pas hésiter à se faire aider pour ça d'ailleurs. Il y a plusieurs solutions pour pallier à la problématique de la main-d'œuvre, soit de s'associer, soit d'embaucher un salarié quand on est en individuel, soit d'embaucher un salarié quand on est à plusieurs exploitants, et également soit d'utiliser de la main-d'œuvre partagée et ponctuellement. Avec tout le modernisme qu'il y a, on arrive à travailler beaucoup moins péniblement qu'il y a quelques années, quoi. Donc il y a des solutions en investissant en collectif, hein, dans des bâtiments d'engraissement collectif, et dans le matériel, il y a une possibilité d'acheter du matériel en cuma, donc pour tout ce qui est paillage et pour donner à manger aux animaux, des décideuses automotrices. Il y a des problèmes d'épaule chez les éleveurs avec le fourrage, l'alimentation, quand ils remontent le fourrage avec les fourches. Et le fait de mettre un outil qui peut bricoler derrière son tracteur pour remonter le fourrage, type une roue tracteur qui tourne au sol avec un pneu, va lui économiser de la pénibilité. Donc parfois, simplement remettre en question sa façon de travailler, ça peut permettre de se réorganiser, c'est peu coûteux et on peut gagner énormément en pénibilité ou en temps de travail. Ce groupe était constitué pour permettre aux agriculteurs qui ont une attente ou un besoin au niveau remplacement, aussi bien temporaire, ou pour avoir un salarié, ou pour se faire remplacer aussi bien en maladie qu'en pour des congés, qu'ils puissent trouver la bonne personne, le bon interlocuteur et le bon organisme. Chaque problème a une solution, on peut trouver le bon interlocuteur et le bon organisme.
Alors le but du groupe, c'est de mieux se connaître entre organismes et de donner les solutions des autres organismes à l'éleveur qui a une question. Par exemple, au niveau du service d'emplacement, un technicien chambre qui voit qu'un éleveur est fatigué, on peut lui permettre de se faire remplacer pour qu'il parte en congé. Alors le but est de gagner en visibilité auprès des éleveurs qui ne savent pas toujours vers quel organisme se tourner en fonction des problématiques qu'ils rencontrent. Dans le groupe, on a choisi de créer un guichet unique, un numéro de téléphone unique en fait, où les éleveurs peuvent m'appeler concrètement. Je n'aurai pas la prétention de répondre à leurs questions tout de suite, mais je suis là pour comprendre leurs besoins et les réorienter vers le ou les partenaires qui sauront le mieux leur répondre.